tout simplement. C'est le Sénégal que l'on veut. Tous les équipes nous attaquent. Ouais. Ils nous ont tous critiqué. Ouais. Mais on est une équipe qui est. Amen. Amoul, l'amen. La coupe ou rien du tout. Bonjour les amis, comment vous allez? Alors aujourd'hui, c'est la fête. Le Sénégal est qualifié en finale. Donc je vais, pour cette vidéo, entrer dans les rues de Casablanca, toujours au Maroc, vous montrer comment les Sénégalais vivant ici, comment ils ont vécu cette scène, comment ils ont célébré cette qualification en finale. Donc vous aussi, dites-nous toujours en commentaire, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous, likez, commentez et surtout activez la cloche de notification. Alors on commence. Ça c'est des Maroc. Donc on va voir comment les Sénégalais ont fêté ça en fait. Donc il y a une grande communauté sénégalaise ici. Donc ils ont fêté ça. Cette demi-finale. L'ambiance à Sidi Maarouf. Avec même des Marocains qui supportent le Sénégal.
à côté, juste pour veiller à la sécurité et tout, des Sénégalais. C'est comme ça que vous allez le fêter, quoi? Saint-Louis, toujours le Maroc, c'est mon grand frère. Viens ici, ça va. Vous supportez le Sénégal? Oui. Sénégal. Pour le Maroc. Ouais. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis, et que vraiment, vous aussi, là où vous êtes, vous avez vraiment vécu ensemble avec ces Sénégalais, vous avez vécu ce moment de joie, vraiment, et en espérant toujours que cette fois-ci, que ça soit l'année du Sénégal, qu'on puisse vraiment remporter cette coupe, et les Sénégalais en ont besoin. Alors, les Lions, dernière chose, allez-y, foncez. Les Sénégalais comptent sur vous. Ils ont besoin d'avoir une coupe. Alors, surtout la Coupe d'Afrique, foncez. N'ayez crainte de rien. Peu importe l'équipe que vous allez avoir en finale, vous êtes capable de les battre. Alors, ne vous laissez pas faire. Battez-les. Je suis de tout cœur derrière vous. Allez les Diambars. Allez les Lions de la Teranga.